Au programme d'ONU Hebdo, la MONUSCO qui réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles. Nous sommes à Uvira, au sud Kivu, où se sont rendus deux hauts responsables de la MONUSCO. Rendez-vous dans la rubrique ONU et nous pour plus de détails. ONU et nous qui aura pour autre sujet les efforts de la MONUSCO visant à juguler le phénomène des exploitations et abus sexuels de la part des casques bleus. Nous sommes cette fois-ci au Nord Kivu. Qu'est-ce que le CVR ? La rubrique Focus nous transporte à Beni, toujours au Nord Kivu, à la découverte de projets visant la réduction de violences communautaires, de projets financés par la MONUSCO. Bonne réception. La MONUSCO est là pour protéger les populations civiles et elle assume cela. Chaque fois que de besoin, le responsable onusien le réaffirme de vive voix. C'est pour montrer cette détermination de la MONUSCO que le représentant spécial adjoint en charge des opérations à l'Est, David Chrisley, et le commandant adjoint de la force, le général Bernard Comins, se sont par exemple rendus à Uvira dans la foulée d'une attaque des Maïmaï Yakutumba. Car il faut rassurer la population et lui faire comprendre qu'elle peut toujours compter sur la MONUSCO pour sa protection. Je vous dirais, je suis trop ravi par cette visite de Marc. Et nous sommes convaincus que ce qu'ils ont dit, c'est maintenant conclu. Et nous osons croire que l'appui de la MONUSCO sera toujours visible aux côtés de l'autorité territoriale. La FARDC, la police, ainsi qu'à la population. Avec les FARDC, l'appui de la force de la MONUSCO est sans ambiguïté, surtout dans les opérations militaires contre les groupes armés opérant dans la région d'Uvira et de Fizi. Ce n'est pas la violence qui est le chemin vers la paix. Et nous sommes déterminés de continuer de protéger tous les civils dans la province qui sont affectés par ces groupes armés. On va continuer de protéger les réfugiés, les déplacés aussi. On veut que les routes restent toujours ouvertes pour la population, pour l'utilisation par la population. Nous sommes ici pour protéger les civils. La MONUSCO a toujours la même mission et la même vision. C'est-à-dire que nous sommes ici pour la protection des civils, que nous sommes ici en partenariat avec nos camarades des forces armées congolaises et qu'en aucune manière nous n'accepterons qu'un groupe armé puisse venir faire de la violence qui puisse mettre en danger la vie des civils. Le même message rassurant a été adressé par le représentant spécial adjoint et le commandant adjoint de la force aux autorités politico-administratives et à la société civile d'Uvira. La visite qui a été réservée par le secrétaire général adjoint, c'est un réconfort moral et nous sommes convaincus que la population a vie et ils sont rassurés que la sécurité est retournée. Du reste, au moment de l'attaque des Maïmaï, la MONUSCO a joint l'acte à la parole en engageant ses hélicoptères d'attaque aux côtés des FARDC pour repousser les assaillants. La force de la MONUSCO a aussi renforcé sa présence dans la ville pour sécuriser la population civile. Comment renforcer la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels que pourraient commettre les personnels de l'ONU en RDC? Au Nord Kivu, la section conduite et discipline de la MONUSCO s'emploie à sensibiliser les populations sur les codes de conduite des employés de la MONUSCO et de l'ONU en général, codes que ces derniers sont tenus de respecter. C'est le cas ici au quartier Bujovu de Goma. Pour lutter, c'est le message
dénoncer les abus, d'abord les abus sexuels et l'exploitation. À part ça, il faut aussi ne pas aller courtoyer les agents de la Monisco en espérant que demain ou après-demain, on va payer de l'argent pour vous. Dans le cas de Monisco, il faut même aussi le Monisco. Il faut inviter à entrer dans les quartiers parce qu'il revient dans les quartiers. Il vient dans les quartiers. Il donne 10 dollars, 2 dollars, 5 dollars, 10 chiffres. Et si de suite, vraiment, il faut écouter pour toi. La sensibilisation porte aussi sur la suite donnée au cas de personnes victimes d'abus sexuels de la part de Casque Bleu. La Monisco et ses partenaires apportent une certaine assistance, par exemple médicale, psychosociale et juridique, à ces derniers. Cette activité de sensibilisation consiste à travailler avec les artistes. Et ces artistes essaient de jouer des pièces qui montrent à quel point la population peut être exposée à ces phénomènes et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime, comment dénoncer, comment se fait la prise en charge des victimes, etc. etc. Notre but est de sensibiliser dans la communauté entière, mais surtout la communauté estudiantine, sur ces questions d'exploitation et de violence sexuelle, parce que c'est quand même un problème. Ce n'est pas un problème parce que tous les casques bleus ou tout le personnel des Nations Unies le commettent, mais c'est un gros problème parce que quand il y a un seul cas, c'est un cas de trop. Je suis à la maison. Oui, je t'attends. Oui, viens avec l'un de tes collègues. Yotanzori, pour t'entraîner mon épouse. Bonjour. Bonjour. Ouais. Jumbo. Les populations ciblées dans ces campagnes de sensibilisation le sont pour leur proximité avec des bases de la Monisco. Plusieurs institutions à Goma et plusieurs autres localités du Nord Kivu, telles que Kiwanja, Munigi et Sake, ont réussi la visite de la section conduite et discipline de la Monisco. Je dois partir. Sécuriser davantage et à terme stabiliser les communautés, c'est l'objectif de la mise en place par la Monusco du projet de réduction des violences communautaires ou CVR en RDC. Au nombre des bénéficiaires de ces projets, les territoires de Béni dans la province du Nord Kivu. Les projets CIVIAR sont pilotés par la section DD3R, désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation des ex-combattants. CVR signifie réduction de la violence communautaire. C'est une activité de la section DD3R qui vise à accroître la sécurité et la stabilité des communautés ayant un haut niveau de violence. Cette stratégie CVR est conforme au mandat de la Monusco, dont la priorité est la protection de la population civile.
Le centre de formation des ex-combattants, l'éclairage du quartier Ngadi, la reconstruction du pont Rwangoma, celle du marché de Kalinda, tous à Bénéville, en sont quelques exemples. Pour l'exercice budgétaire 2016-2017, la section DD3R de Béni a prévu, dans le cadre du CVR, le financement de 8 projets dont le coût est estimé à plus de 400 000 dollars américains. 5 de ces projets visent à accroître la sécurité dans les communautés par l'installation des lampes solaires le long des avenues principales et l'accessibilité plus rapide à d'autres communautés qui ont connu les massacres de 2016. Nous sommes au marché de Kalinda à Beni. Ce marché a bénéficié pour sa reconstruction du financement de la MONUSCO dans le cadre du projet CIVIAR. Coût du projet, plus de 47 000 dollars américains. Nous avons trouvé un à Sokoyetu. À Pakarti, il y a 24 920 âmes. Comme vous le voyez, dans la cellule à Kouka, dans la cellule verte, nous avons 15 000 âmes. Rivière Mounabel, nous avons tout séparé. Nous avons bénéficié de Koyisoko, comme 624 920 bénéficiaires. Nous avons 128 étalages. Oui, deux encarts, il y a MONUSCO, il y a tout gêné, il y a deux DR. Il y a tout gêné, il y a joué à vulnérabilité, il y a population Yango, ou à Bibi à Waskar, ou à Bibi à démobiliser. Les stands du marché ont été proposés aux femmes anciennement associées à des groupes armés à des tarifs spéciaux. Avant, il y a un peu de temps. Alakini kwa sasa tunashukuru Mungu na tunabashukuru nye benye bali tujengea soko, tunabashukuru vile. Na hii kazi njoo yenyewe inanikulishaka, inasomesha watoto na inanilipiaka nyumba. Le pont Rwangoma à Beni est en pleine reconstruction. C'est un autre projet civil financé par la MONUSCO. C'est un projet de construction de pont en béton armé. C'est un ouvrage qui permettra à désenclaver la population de l'autre rive vers par rapport à celle de l'autre côté. Donc la population de Rwangoma et la population de la cellule Kasanga. C'est ça ce que nous sommes en train de faire comme projet. Aussi, cet ouvrage est très important parce qu'elle sert à la population de la ville pour évacuation de tous les matériaux et la. Qui c'est pour la construction de la ville de Beni, aussi que c'est une route importante de cette agricole. Le projet permettra aussi la sécurité de la population, parce que quand il y a une urgence d'intervention de l'autre côté, la MONUSCO et l'armée peuvent venir pour sécuriser la population. Mimi mukazi wa par Rwangoma, mina furahi sana kupata hii mina benishi. Mina furahi sana kupata hii kazi. Kenye mina kuwa mwapa kuhi kilalo, na hii kilalo tasaidiaka kila mtu wote, kwanja mtoto, kila mtu wote, la watoto wote wakwenda kumasomo, wote tabashaidiaka. Wangali wanapatikana porini. Mesaje ambaye minaeza kuwatolea ni kusema ya kwamba watoke kupori, warudi kwenye mungine, kwa sababu sisi wakati tulikuwa kwenye pori, leo tunarudi mungine na tunaikala katika usalama, tunafanya makazi zetu mbalimbali, tunajikuta tuko huru. Kwa sababu kuishi ndani ya pori ni vigumu sana. Ila enye tunabaomba batoke mupori, barudie kwenye mungine, baache silaha na kukuya kuungana na wandugu pamoja. À travers les projets réduction des violences communautaires de la MONUSCO, les jeunes et notamment les ex-combattants sont plus utiles à leur communauté et moins enclins à rejoindre les groupes armés. Les projets prennent en compte non seulement les ex-combattants, mais aussi des communautés de leur village de réinsertion.